Tu m'excuses, je vais chercher les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes. C'est dingue ça parce que moi aussi je te déteste. Bah c'est con tu vois parce que moi je t'aime. Tu m'aimes? Bah oui Louis je t'aime. Vous êtes là pour quoi monsieur? Homicide monsieur, homicide. Bah super, j'y vais, on y va. Allez, avec moi. Involontaire. Ouais bah c'est pas grave. Ce truc de massacrer calmement les gens comme ça. On n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Putain, mais regarde ça, t'as encore du sang plein la bouche. Ça va, monsieur? Pardon, oui, parfaitement, madame. Ça fait 8 ans trop, tu vas pas m'emmerder pour 3 paires de baffes ou un sac à main. Non, mais c'est ça l'excuse. J'ai fait 8 ans de tôle, j'ai le droit de crever les yeux de pauvres types dans la rue, de leur péter les dents, de brûler les yeux de ces gamines, de scalper des vigiles sur le trottoir. Non, mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. Je me rendais chez ma mère et je me suis trompé d'étage. Lorsqu'ils m'ont ouvert, les propriétaires des lieux, pensant à une mise en scène, m'ont forcé à passer cette tenue. Les objets trouvés sur moi et dans moi ne m'appartiennent pas. Ceci est un simple malentendu. C'est ça? Tout à fait. Ok, mon père, vous signez là. Alléluia. Encore? Je peux pas vous serrer plus, ça, je suis en fond, monsieur. S'il vous plaît. Non, je peux pas.